Ouais. Impossible que ce soit un vrai. Pis cette pieuvre-là? Où ça? Pis ça, c'est-tu un vrai? En fait, dans une exposition comme celle-ci au Musée de la civilisation, la très grande majorité des objets, ce sont des vrais. Parce que sinon, pour vrai, à quoi ça sert de faire une exposition? Mais c'est certain qu'à travers le temps, les pratiques des naturalistes ont beaucoup changé. Puis, comme plusieurs de ces espèces-là sont aujourd'hui disparues ou protégées, c'est un peu difficile de trouver d'autres spécimens. Si on parle des squelettes de dinosaures, on en a souvent fait des moulages, parce que transporter ça, c'est, disons, un peu risqué. Plus sérieusement, les musées ne se prêtent pas des spécimens aussi rares qui risqueraient d'être abîmés. Dans certains cas, comme pour les dinosaures, par exemple, c'est presque toujours des reproductions qui sont présentées en exposition, mais des reproductions extrêmement fidèles. Plus fidèles que ça, mettons. Il y a d'autres spécimens qui sont impossibles à conserver. Une pieuvre, par exemple. Ça n'a pas de squelette, c'est mou, c'est... Pour les espèces invertébrées, on faisait appel à la fin du 19e siècle à des artisans verriers comme Léopold et Rudolf Blaschka. Ils fabriquaient des modèles en verre fin extrêmement fidèles à la réalité qui servaient à l'étude et à l'enseignement. Juste pour l'université Harvard, ils ont produit des centaines et des centaines de spécimens de plantes et d'espèces invertébrées. Donc cette pieuvre-là, c'est pas une vraie pieuvre, mais c'est un vrai Blaschka. Ouais. Avouez que c'est curieux quand même. Au Musée de la civilisation cette année, il y a plein de curiosités. Comme ça. Ou ça. Ça. Ou ça.